je dis bonjour, je suis Sophie Perret, je suis française et je vis en Suisse. Je connais l'œuvre du prophète Crasso depuis 2017. J'ai envie de vous dire déjà merci, prophète, de m'avoir soutenu à travers la distance, le téléphone, votre écoute. Merci à votre femme de nous prêter votre personne, parce que très simplement, c'est un dévouement énorme. J'ai connu le prophète Crasso par les YouTube et par la page Facebook. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a 2 ans, j'ai été victime de tentatives de meurtre de mon mari, suisse. Qu'est-ce qu'il a fait pour se débarrasser de moi? Il m'a mis en psychiatrie. Il a dit que j'étais folle. Ils m'ont trouvé toutes les maladies du monde, psychiatriques. Ils ont voulu m'obliger à prendre des médicaments. Seulement là, ils sont tombés sur un os, parce que je suis du milieu médical. Qu'est-ce que j'ai fait en psychiatrie? J'ai été enfermée 45 jours et heureusement, j'avais ça. Je suis rentrée la nuit du 21 au 22 décembre 2016. J'ai été pourchassée pendant 5 heures de temps à moins 2 degrés par des policiers qui voulaient m'attraper et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Du 21 décembre 2016 jusqu'au 4 février 2017, soit 45 jours, dont 22 jours en pyjama, puisque mon mari ne m'apportait pas mes vêtements, j'ai prié avec les psaumes de David. Et je ne priais pas toute seule, je priais à haute voix. Et j'ai organisé dans le service, où nous étions 25 personnes, 25 patients, des réunions bibliques. Amen. Le plus dur n'est pas fini. Je traversais pendant 2 ans, puisque nous sommes en fin 2018, l'ombre de la vallée de la mort. C'est ce que le prophète m'a expliqué. Aujourd'hui, c'est la 3e fois que je le vois. Je vous assure, je ne savais pas comment faire pour le voir. La première fois, le 13 juillet 2018, je l'appelle au téléphone. Il était à Paris. Je lui dis, prophète, je dois venir vous voir au plus vite. Il m'a dit, non, tu ne bouges pas. C'est moi qui arrive demain. Oh, il m'a dit, on se voit à Genève. Et moi, je suis près de Berne. 2 heures de route pour aller voir le prophète. Je ne savais pas comment faire. J'ai prié Dieu. J'ai réussi à le voir le 14 juillet, en fin d'après-midi. Il m'a accordé 30 à 45 minutes à Genève, en tête à tête. Je n'en revenais pas de voir un homme si simple. Je suis venue une 2e fois il y a 1 mois, le 16 septembre. J'ai fait 15 heures de car, l'horreur. On n'avait même pas le droit dans le car d'aller aux toilettes. Et c'est en Europe. Et après, on nous dit que l'Europe est développée et l'Afrique sous-développée. Je comprends rien. Je crois que j'ai tout compris, justement. Je remercie Sylvie, parce que Sylvie est une sœur de Zurich. Qui est la responsable du comité suisse. Le comité suisse. Du comité suisse. Elle m'a pas dit qu'elle venait. Et aujourd'hui, je la vois rentrer. La première chose que je vois, c'est sa petite fille. Oh, si sa petite fille est là, elle est là. Elle me soutient depuis nuit des jours. Depuis le 14 juillet, puisque le prophète Crasso lui a dit, tu dois t'occuper de cette sœur. Et le 16 septembre, il y a presque un mois, je débarque à Paris à 7h du matin, après 15 heures de car, épuisée. Je prends un taxi. Et aujourd'hui, le chauffeur de taxi est là avec moi. Je veux vous dire que partout où je vais, je parle de Dieu, de Jésus et du prophète Crasso. Et les gens me regardent bizarrement. Un peu comme vous ici, parce que je suis une des rares blanches à être là, mais c'est pas grave, moi, il n'y a pas de couleur. Voilà, il n'y a pas de couleur, il y a le sang, il est de la même couleur pour tout le monde. Ce que je dis par là, c'est qu'il y a 8 jours, je débarque à Paris chez mon chauffeur de taxi. Ça ne vous étonne pas? Il est veuf depuis 13 mois. Il est tombé amoureux de moi dans le taxi.
15 jours au téléphone parce que on avait changé nos numéros que pour le côté spirituel. Je ne pouvais pas savoir que j'avais créé quelque chose, moi. En parlant du prophète Crasso, à 7h30, en prenant le taxi pour aller rejoindre mon hôtel pour venir là au culte. Et ce monsieur-là, je lui ai parlé du prophète, et il n'était pas étonné. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il a décidé que je devais être sa femme. Amen. Les autorités françaises ou suisses, parce que ma citation est très complexe, mais en parlant de Dieu, même à des policiers et autres, ça leur donne un témoignage. Amen. Ce que je veux juste finir de dire, c'est que quand je suis arrivée il y a 8 jours chez Léon, sa fille est très malade. Elle a de l'eczéma de la tête aux pieds. Il est où le monsieur? Il est là. On peut l'appeler? Venez monsieur. Je suis arrivée dans cette famille, j'étais regardée bizarrement par les enfants parce qu'ils ont 28, 30 ans. Laissez-moi. Juste pour dire, j'ai utilisé l'huile. Oui. Non, je viens avec le témoignage. Voilà, d'accord. Et comme ça, vous voulez l'épouser. Laissez-moi l'épouse déjà. Mais c'est vous l'épouse déjà. D'accord, mais c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, le père, c'est moi. Vous avez besoin de ma potion quand même. Ben, il me semblerait, oui. Parce que là, vous n'avez pas consulté, vous prenez ma fille. Mais quand elle est belle, ben, je la prends. Mais quelles sont les assurances, quelles garanties? Mais tout est garanti. Sauf que officiellement. D'accord. Ouais, mais vous êtes déterminé à l'épouser. Ouais. Ça va, Sophie? Ça fait drôle. Ça fait drôle parce que quand on est abandonné par une personne et qu'on est jeté en psychiatrie, je vous assure, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier de ma vie. Jamais. Je remercie beaucoup Sylvie. Elle m'a toujours dit, crois, seulement tu crois. Crois. Elle a un puissant témoignage. C'est vrai que j'ai dû stopper. Mais quand elle vous voit, elle a envie de tout dire à la fois. Elle me disait que... Elle a connu l'année de déception en déception toute sa vie. Elle a connu que des déceptions. Et quand elle a commencé à parler avec moi, j'ai vu que c'était une personne à suivre et à aider. Et donc, comme je n'avais pas trop de temps, comme elle vivait sur la Suisse, il fallait la confier à Sylvie. Et merci Sylvie de ton aide que tu as apportée à cette sœur. Hein, que Dieu te bénisse pour ça. Voici ce que le ministère essaie de faire, le ministère de la compassion des enfants. Écoutez, c'est qui est couverte d'eczéma des pieds à la tête depuis le mois de juillet. Votre fille, elle est malade? 30 ans, elle est malade. Elle est malade? Elle est malade. Elle est malade. Vous avez quel âge? C'est plein de Kinshasa. Ok. Des bons Kinshasa. Et ma fille est malade avec l'eczéma aigu. Vous savez qu'il a la peau aujourd'hui comme un crocodile. Depuis que Sophie est là, ça fait 8 jours, ça fait 9 jours. Et elle s'occupe d'elle. Ça fait 3 jours que ça commence à venir. Donc, je parle de ce qu'on parle. Je suis avec elle.
où c'était sa maman, alors que sa maman comme telle est embrouillée tout le temps. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Quel est le miracle que Dieu a apporté dans la vie de sa fille? Mais déjà, elle marche de nouveau. Elle marche bien. Elle quelque chose qu'elle ne faisait pas avant. Elle prie avec moi. Qu'est-ce qu'elle ne faisait pas avant? Elle ne priait pas. Elle ne priait pas. Elle ne parlait pas, elle mangeait dans sa chambre. Elle ne parlait à personne. Elle parle à personne et depuis que Sophie est là, elle se parle et elle rigole. Et ça va. Et ça commence à aller mieux. Et je la sors avec moi. Parce qu'elle est décoiffée dans sa chambre. La dépression. La dépression. Mais ça, c'était déjà presque la dépression. Mais avec Sophie, franchement, ça va mieux. Et je dois faire des voyages réguliers en Suisse-France. Même moi, pour moi, c'est... je suis partagée en deux. Comme vous, qui avez peut-être certains... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? J'aimerais la aussi, voir si possible, aller prier pour elle. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, et puis tout à l'heure, on aura un entretien, d'accord? Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?